إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نعم donc je vous disais que ce livre de Bukhari est le livre le plus authentique qui a été écrit par les hommes. Et il débuta son livre par Kitab Bad'i al-Wahi, le commencement, on va dire, le début de la révélation. C'est-à-dire, comment est-ce que la révélation a débuté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il cita un hadith rapporté par Aïcha, radhiyallahu anha, dans lequel elle dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au tout début, lorsqu'il était encore marié avec Khadija, il aimait s'isoler et se recueillir dans la grotte d'El-Hira, dans laquelle il adorait Allah azawajal, comme lui le pouvait à sa façon. Et un jour, justement, Jibril lui parvint. Il ne savait pas qui était Jibril. Et de là, Jibril l'a attrapé, la serré très fort, faqala lahu ikra. Il l'a attrapé, la serré fort, et lui a dit, li. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, ma ana biqari. Je ne sais pas lire. Et de là, il a relâché. Et cela se répéta trois fois. Et de là, Jibril lui enseigna les cinq premiers versets de Surat Al-Alaq. Et de là, débuta ce qu'on appelle la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le début de la prophétie. Puis il s'en retourna et rentra auprès de Khadija, alors qu'elle était prise de peur, en disant « Zammilouni, Zammilouni », c'est-à-dire « Couvrez-moi ». Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam raconta à Khadija ce qu'il avait vu, en ayant très peur. Et de là, Khadija le rassura en lui disant qu'une personne comme lui ne sera jamais abandonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل. Donc Khadija l'emmena par la suite auprès de Waraqa ibn Nawfal, qui était un cousin Khadija, qui était un homme qui était nasrani, chrétien dans la jahiliya. Il était aveugle et il traduisait l'Injil, c'est-à-dire l'Évangile, qui était en hébreu, vers l'arabe. Donc il était habitué au texte religieux. فقال أخبرني عما رأيت informe-moi de ce que tu as vu. Et de là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui raconter ce qui s'est passé. فقال هذا الناموس الذي نزله الله به على موسى يا ليت فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قد بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. Donc il lui a dit que c'est ce messager qui était parvenu, c'est le même que celui qui est venu voir Moussa alayhi salam. Donc c'était Jibril. Et ensuite il lui a dit, comme j'aurais aimé avoir de la force, de la vigueur, de la jeunesse, comme j'aurais aimé être vivant lorsque ton peuple va te chasser. Il a dit, mon peuple va m'expulser. Il a dit, oui, ils t'expulseront. Car nul n'est venu avec le message que tu apportes sans qu'il n'ait été pris en ennemi. Sans qu'il n'ait été pris en ennemi. Donc là, il lui a fait l'annonce. Tel le shahid du hadith. Wa qala ta'ala, إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قُولًا ثَقِيلًا. Nous allons certes te révéler une parole très lourde.
pleine de vérité et bien sûr pleine de conséquences. Donc nous sommes en une époque où la Ummah est tellement dans l'ignorance, et loin du livre d'Allah, Azza wa Jal, dans l'ignorance du parcours prophétique, de l'historique des communautés précédentes, qu'on s'imagine vivre des situations sans précédent et être en besoin d'avoir recours à de nouvelles conceptions de compréhension et application de la religion. On dirait qu'on se voit plus méritant que les communautés passées, comme si on avait réussi et passé un cap nous permettant de vivre mieux, d'avoir un acompte du Jannah, c'est-à-dire une avance dans le Jannah sur terre, et que celui-ci nous est déjà garanti après la mort. D'être mieux accepté auprès de nos ennemis, comme si le passé était abrogé ou révolu. On dirait que pour nous, les relations avec les koufars ont évolué, sont différentes. Nous sommes de nouveaux musulmans capables, voire même en droit de vivre avec eux, en harmonie. Et que les koufars sont eux-mêmes une nouvelle génération, plus ouverte d'esprit que les précédentes. Moins hostile, plus tolérante et plus à même d'accepter les croyants en leur sein. Et on va tout simplement vous dire que nous sommes dans une époque où c'est le mensonge et l'hypocrisie qui dominent tant chez nous que chez les koufars. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Hurayra, « قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويتمن فيها الخائن وينطق فيها الروابضة. » Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'aux prémices de l'heure viendront des années trompeuses dans lesquelles on démentira celui qui est véridique et on croira celui qui est un menteur. On se méfiera, on suspectera celui qui est de confiance et on fera confiance à celui qui est un traître. Et le Roi Bidan se mettra à parler. Et le Roi Bidan, ça a été décrit comme étant As-Safi, le faible d'esprit, le sot, qui s'exprime dans les choses qui touchent aux points généraux de la communauté. Pourquoi ? Car aujourd'hui, peu de musulmans osent dire les choses clairement, proclamer et revendiquer le droit d'Allah et dire aux koufars qui ils sont. Aux yeux d'Allah, Azza wa Jal, et agir en conséquence. On veut tout le temps chercher à leur plaire et leur faire croire qu'eux-mêmes sont des gens bien. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On trahit le message que l'on doit retransmettre. Et ça, c'est contraire au comportement exemplaire du père des prophètes, Imam al-Muwahhidin, hein, Millat al-Hanafiyya, de la religion pure qui est Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, wallazina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal baghdha' abada hatta tu'minu billahi wahda. Ila an qal, qad kana lakum fihim uswatun hasanah. Vous avez certes un bon exemple dans Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous sommes certes innocents de vous, de ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous mécroyons en vous, et entre nous et vous ont débuté l'hostilité, l'antipathie, l'animosité, hein, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Jusqu'à la fin du verset, par la suite, où Allah est dit, dans le sens, que vous avez certes un très bon exemple en lui pour quiconque espère Allah et le jour dernier. Donc voilà normalement l'attitude que l'on doit adopter. Dire les choses aux koufars telles qu'elles sont. Donc, on tombe dans cette hypocrisie dans le comportement. Et là, je parle de ceux qui ont une croyance saine. Et je parle pas des anadika, des munafiqines, ceux qui tiennent le discours qu'il ne faut pas juger les gens, que chacun peut se rapprocher de Dieu, comme ils le prénom, comme eux-mêmes le disent, à sa manière, que l'essentiel c'est le contenu du cœur, et tout ce qu'il aime bat, et il faut rire. Alors que le Coran, il est clair. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْلَ الْإِسْلَامَ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَوَا فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. D'accord? Que quiconque cherche autre que l'islam comme religion, cela ne sera pas accepté de lui, et sera dans l'au-delà du nombre des perdants. D'accord ? Vous avez d'autres paroles qui vous disent, des gens qui vous disent que les gens du livre, c'est-à-dire actuellement, ce qu'on a maintenant là, depuis la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou autres, sont nos frères, sont des croyants. Alors que Allah, il dit « Inna lazina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina fi nari jahannam kholidina fiha ulaika hum shar al-bariya » Dans le sens où il dit « Certes, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mouchriquines seront dans le feu éternellement, et ceux-là sont les pires de la création. »
Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait défini la foi. Que c'est le fait de croire en Allah, de croire en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. D'accord? Les gens du livre, est-ce qu'ils croient en Allah comme il se doit? Non. Est-ce qu'ils croient en ses livres? Non. Ils ne croient pas au Coran. Les juifs ne croient pas en l'Injil, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils croient aux messagers? Non. Les Nasara ne croient pas en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et les Yahoud ne croient pas ne croient pas en Isa, alayhi salam. Donc, la foi, ils ne l'ont pas. Ce ne sont pas des croyants, et encore moins nos frères. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a été prévenu par Waraka ibn Nawfal, le cousin de Khadija. D'accord? Car cet homme-là connaissait les textes religieux de l'Injil, de l'Évangile, comme ils disent. Donc, il n'avait rien de nouveau pour lui, il n'a pas été surpris de ce qu'il a entendu. Et du fait qu'il sache que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera combattu. Car il sait que cela, c'est la sunna d'Allah pour ses envoyés et serviteurs. Comme encore l'état à la sunna man kad arsalna kabalakem rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. C'est la tradition, hein, la règle appliquée par nous, à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. C'est-à-dire que ce que Allah azzawajal a décrété pour les premiers sera valable pour les derniers. Il n'y a pas de choses nouvelles, il n'y a pas de changement. Les messagers ont tous été éprouvés et ont tous été combattus. Donc il est donc déplorable aujourd'hui de voir des gens qui disent « La ilaha illallah », qui disent croire en Allah, en son livre, que le Coran est la parole d'Allah et la révélation qui a été faite à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils disent croire et suivre et prendre comme modèle, vivre au milieu des koufars, puis se plaindre de subir de leur part ce qu'ils subissent comme chose inattendue et imprévue, au point d'en inventer des nouvelles terminologies, des nouvelles paroles, comme justement ce qu'on appelle islamophobie. Et c'est quoi l'islamophobie? Ça a été défini par, de façon générale, c'est un sentiment d'hostilité envers l'islam et les musulmans. Voilà comme ça a été décrit. Donc ça veut dire que les gens n'aiment pas l'islam et n'aiment pas les musulmans. Donc on pose la question, est-ce que ce mot en réalité nous apporte quelque chose de nouveau? Rien. Il n'y a rien de nouveau. Mais aujourd'hui, les gens, on dirait que c'est quelque chose de nouveau. Oh, c'est islamophobe. Oh, c'est injuste. Oh, c'est incroyable. Non, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et Allah, dans le Coran, t'en a averti que ça allait arriver. Donc, bien que je doute que les musulmans soient à l'origine de ce terme, en tout cas, ils l'emploient à tout bout de champ dès qu'ils sont touchés dans leur personne. Je dis bien dans leur personne, en réalité, pour leur dîn. Donc, on ne dit pas que ce phénomène n'existe pas. Bien au contraire, comme on l'a dit, ça a toujours existé depuis que l'appel au tawhid et la lutte contre le shirk existent, que la foi a été établie, que les actes d'adoration et d'obéissance sont extériorisés. Depuis la venue de Nuh, alayhi salam, étant donné qu'il est le premier messager aux gens de la terre, Adam n'était qu'un prophète, il n'y a pas de shirk à l'époque de Adam, alayhi salam. Le shirk a débuté à l'époque, à la venue de Nuh, alayhi salam. كما قال تعالى واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون. Raconte-leur l'histoire de Nuh lorsqu'il dit à son peuple: Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous donc avec vos associés et ne cachez pas vos desseins, ça y est, soyez clairs. Puis décidez de moi et ne me donnez aucun répit. Ça veut dire que Nuh était sûr de lui face à l'hostilité qu'il trouvera face à ces gens-là, par rapport au message qu'il va transmettre. Donc il les mettait au défi d'agir et était prêt à affronter. Nuh le savait et il était clair, faites ce que vous avez à faire, je suis prêt à affronter. D'ailleurs, ils le menacèrent de mort. قَالُوا لَا إِنْ لَمْ تَنْتَهِيَ نُوحْ لَتَكُنَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. Au certes, si jamais tu ne cesses pas Nuh, c'est-à-dire ton appel au tawhid, nous allons certes te lapider. Et ce fut le cas pour tous les envoyés face à leur peuple. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا رَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. Que ceux qui ont mécru ont dit alors à tous les messagers, nous allons certes vous expulser de notre terre. Ou alors vous devez retourner dans notre religion.
Donc ça s'appelle comment ça? Comment on appelle cela? Quelque chose de nouveau pour vous? Non, c'est ce qu'il y a toujours eu. Le Shu'aib, Houd, Saleh, Lot, tous ceux qui les suivaient également, ce n'est pas seulement que les prophètes et messagers, mais également les croyants qui étaient avec eux, tous ont été menacés de torture, de mort et d'expulsion. Et des prophètes ont été tués d'ailleurs. Les Banu Israël ont tué des prophètes. Yahya a été tué, Zakaria a été tué, et d'autres encore qui n'ont pas été nommés. Et l'histoire la plus citée dans le Coran, qui se répète le plus, c'est celle de Moussa alayhi salam. Et à elle seule, elle énumère tous ses faits face à l'animosité de Pharaon, qui faisait subir les pires affres aux fils de Banu Israël. Là, on parle des Banu Israël qui étaient des croyants, d'accord, à cette époque-là. Ils avaient soumis à l'esclavage. Inna Pharaon ala fil ard. وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. Dans le sens où Allah dit que Pharaon, c'est-à-dire Pharaon, était hautain sur terre. Il avait réparti en clans ses habitants afin d'abuser de leur faiblesse. Il égorgeait leurs fils, c'est-à-dire des Bani Israël, et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Subhanallah. Et Allah lui a envoyé son grand messager Moussa alayhi salam en compagnie de son frère Haroun. D'accord ? Avec les signes et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, Moussa a dû faire face aux sorciers de Pharaon qui, après avoir été vaincus, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fini par se soumettre. Car ils ont dit que c'était la vérité. Que là, ce n'était pas de la sorcellerie qu'il y avait devant eux, mais c'était vraiment un miracle divin. Donc, quel fut le résultat ? Pharaon également s'en est pris à ses sorciers. Et ils ont dit quoi ? وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. Ils ont dit quoi? Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Donc la seule raison de la tyrannie de Pharaon, c'est la foi en Allah Azzawajal. Rien de plus. Du fait que lui voulait que la vérité lui revienne à lui et que les gens l'ont délaissé et eux ont reconnu que cette divinité ne revenait que à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et malgré tous les signes qu'il a vus devant lui flagrants, il s'acharna quand même à les poursuivre, aveuglé par son kufr et sa haine envers les croyants au point de se lancer avec toutes ses troupes alors qu'il a vu la mer devant lui s'ouvrir en deux. Et malgré cela, est-ce que cela l'a dissuadé et l'a fait s'arrêter? Et non, il a foncé de la tête la première, puis vous savez quelle fut la suite, qu'il finit noyé et détruit, lui ainsi que toutes ses troupes. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu l'échange entre lui et Moussa, قال تعالى عن موسى إذ جاءهم يعني موسى بآياتي فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Lorsque Moussa justement est venu auprès de Pharaon avec tous les signes, il a dit Pharaon, ô Moussa, je te pense ensorcelé. Quelle fut la réponse de Moussa alayhi salam? قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لظنك يا فرعون مثبورا. Il dit, tu sais fort bien que ces choses, c'est-à-dire les miracles, seul le Seigneur des mondes et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves claires et flagrantes. Et certes, ô Pharaon, je te crois perdu. Est-ce que Moussa a commencé à se victimiser et a commencé à dire tu es islamophobe? Non, tu es perdu. Et pourquoi on dit islamophobe pour les prophètes? Parce que non, ils vont dire non, mais l'islam, c'est Moïse n'était pas, il était pas dans l'islam. Si Moïse, comme ils l'appellent eux, Moussa, sa religion c'était l'islam. Tous les prophètes c'était l'islam. Sauf que l'islam, comme vous savez, il y a deux sortes. Il y a l'islam qui est général, celui sur lequel étaient tous les prophètes, qui l'appelle au tawhid, l'obéissance à Allah, la soumission. Et il y a l'islam qui est khas, par lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les cinq piliers que vous connaissez. Mais tous les prophètes étaient musulmans. Donc ce terme est valable pour tout le monde. Et il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Yaqul, kanni anzur ila nabin min al-anbiya, darabahu qawmuhu, wa yamsah ad-dam an wajhihi, fa yaqul ya rabbi, ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit c'est comme si je voyais un des prophètes. Et en fait, il parlait de lui-même. Qui a appelé son peuple à l'islam? Et ces derniers l'ont frappé au point de le faire saigner. Et le voilà qui essuie le sang de son visage en disant « Oh mon Seigneur, pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a vécu.
il faisait la salat et les Quraysh mettaient sur son dos des entrailles de chamelle. Alors qu'il faisait salat. C'est Fatima Safi qui venait pour le retirer de son dos. Et de là, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se relevait, et eux, ils rigolaient, bien évidemment. Est-ce qu'il a fait? Vous êtes islamophobe? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous m'acceptez pas? Non. Il a fait les doigts contre eux. Et là, je peux vous dire que les Quraysh, ils ont moins rigolé à ce moment-là. Il a manifesté, il s'est plaint. Est-ce qu'il a crié? Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un Quraishite, un pur natif de Mecca et de descendance ancestrale. Il n'était même pas un fils d'immigré ou un étranger. C'était son pays, sa terre natale. Et tout le monde le reconnaissait comme étant un homme de vertu et de bravoure et de véracité auparavant. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé son calme et il a invoqué Allah Azzawajal devant eux. Et là, je peux vous dire que ces gens-là ont commencé à avoir peur. Donc, cela est la conséquence inévitable pour quiconque ordonne le convenable et interdit le blâmable. Chose qui fait partie des caractéristiques de cette umma et qui nous est obligatoire et chacun à son niveau. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté sortie pour les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Et le Nabi, il l'a dit, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. S'il ne peut pas, alors dans son cœur. Et cela est le niveau le plus bas de la foi. D'ailleurs, délaisser le amr bil ma'aluf wa nahi anil munkar, ça aura des conséquences encore plus désastreuses sur nous. Car il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la tamurunna bil ma'aluf wa tanahawna anil munkar. Aulo shikunna Allah an yabhasa alaykum azaban min indihi thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous allez certes, c'est-à-dire en sens de impératif, vous allez devoir, vous devez ordonner le convenable et vous devez interdire le blâmable, sans quoi Allah sera sur le point de vous lancer un châtiment de venant de lui et qu'après vous allez l'invoquer et qu'il ne vous répondra pas. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a dit par rapport à ce hadith, ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب حلول العقوبات ومن أسباب عدم إجابة الدعاء. Il a dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, que le fait de délaisser l'ordre d'ordonner le convenable et l'interdiction du blâmable, cela est parmi les causes pour subir le châtiment et également les causes pour que les invocations ne soient pas exaucées. Et d'autres versions sont venues avec des châtiments très durs sur celui qui délaisse cela. Donc nous, concrètement, c'est notre rôle. Donc, quand tu vas faire cette chose-là, ordonner le convenable et interdire le blâmable, bah bien sûr, tu vas mettre les gens à dos. Les gens ne vont pas apprécier cela. Ils vont te combattre, ils vont t'insulter. Mais si jamais tu ne le fais pas, c'est à qui tu auras affaire? C'est à Allah, Azzawajal. Donc, le choix, il est vite fait. Mais malheureusement, nous, on a fait le mauvais choix, en réalité. Car cette ordonnance du convenable, on l'a délaissée. Et je parle principalement dans les pays comme la France. Et l'interdiction du blâmable, on l'a délaissé. Dans beaucoup de cas, je vous l'accorde, c'est impossible, c'est insurmontable. Mais dans d'autres cas, cela est faisable. C'est nous qui n'osons pas le faire, alors qu'on devrait le faire. On peut le faire. Mais on se dit, non, mais la hikma vaut mieux arrêter, il y aura plus grand mal derrière. Non, c'est juste qu'on n'ose pas le faire, on a peur. De quoi? Des conséquences de subir les critiques, de subir des accusations, d'être traité de je ne sais quoi. C'est ça dont on a peur. Donc à ce moment-là, eh ben on atteint un stade qui est critique, qui va ce qu'on est sur la menace du châtiment cité dans le hadith. Wallahi billah. Et donc, c'est pour cela que Waraqa ibn Nawfal a averti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tu seras pris en ennemi, car tu vas appeler à ordonner le convenable et interdire le blâmable, c'est-à-dire appeler à l'islam, appeler au tawhid, combattre le shirk, combattre le kabair, combattre tout ce qui est mauvais. Donc qu'est-ce que les gens vont faire? Ils ne vont pas te laisser faire. Ils ne vont pas te laisser faire. Donc, cela, étrangement, notre umma semble avoir oublié et se comporte comme s'il s'agissait d'une chose nouvelle et inattendue. Et là est l'erreur qui aboutit à un esprit de victimisation. Au lieu de faire preuve d'un esprit de patience, de taqwa, d'irtiseb. L'irtiseb, j'ai déjà fait une conférence qui en parle, c'est quoi l'irtiseb? C'est le fait de rechercher la récompense à travers l'épreuve. D'accord? Et faire preuve de tawakkul et de crainte
Car tels sont les seuls moyens de faire face. C'est quoi la crainte? C'est quoi la taqwa? C'est que tu mettes une protection entre toi et la colère d'Allah. Donc tu fais ce que Allah Azzawajal t'a ordonné de faire. Et tu délaisses ce qu'il t'a interdit de faire. Hadaou. Et c'est quoi la patience? C'est patienter sur ce que tu vas endurer. Affronter. D'accord? Et surmonter. Sans désobéir à Allah Azzawajal également. Et est-ce qu'on le fait ça? Trop d'entre nous ne le font pas. On ne patiente pas. Donc, on pourrait se dire, Tayyib, toutes ces tortures, tous ces déboires, toutes ces épreuves, c'est pour les prophètes. Car c'est eux qui étaient chargés d'aller prêcher directement face à l'ennemi. Franchement, Bilal alaykoum, vous pensez que cela suffit comme argument? Wallah, même de simples croyants ayant embrassé l'islam ont été torturés. Non pas pour avoir prêché, mais juste pour avoir cru et refusé d'adorer autre que Allah Azzawajal. Juste pour ça. Des exemples, il y en a plein. Parmi eux, Mathalen, Asiya, Zawjat Fil'aoun, la femme de Fil'aoun, Asiya bint Muzahim. وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّي ابْنِ لِي عَنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Que Allah Azzawajal a donné en parabole pour ceux qui ont cru l'exemple de la femme de Fir'aoun, qui était Asiya, qui a dit, oh mon Seigneur, construis-moi une maison auprès de toi dans le paradis et secours-moi de Fir'aoun et de ses actes et secours-moi du peuple d'injuste. Dans le tafsir, il était dit que Asiya, justement, a cru lorsque Moussa est venu à montrer les signes. Et cela a été su. Et elle a assumé auprès de Fir'aoun en disant qu'elle croit en Allah. Qu'est-ce qu'il a fait Fir'aoun? Il l'a torturé. Il l'a attrapé. Il a commencé à l'écarteler. D'accord? Et il a voulu l'écraser sous un rocher immense. Et c'est là qu'elle a fait le doa que Allah Azzawajal lui construise une maison au Jannah. Et c'est là, Allah Azzawajal lui a montré la maison au Jannah. Et de là, elle a souri. Elle a rigolé juste avant de mourir. Et Allah Azzawajal lui a retiré l'âme avant que le rocher ne l'écrase. Et Fir'aoun, on a dit, subhanallah, je l'écrase d'un rocher. Et elle rigole. Mais elle est folle. Regardez comment Allah Azzawajal l'a honorée, l'a sauvegardée. Elle est morte, certes. Mais elle n'a pas souffert. Et la récompense, elle a obtenue. Qu'est-ce qu'elle a fait à Asiya? Elle a adoré, elle a reconnu Allah comme étant son Seigneur. Vous avez également l'histoire de, la coiffeuse de la fille de Fir'aoun également. Son histoire a été citée. C'est une coiffeuse. Elle coiffait la fille de Fir'aoun. Elle a fait tomber son peigne par terre. Et elle a dit Allah en le ramassant. C'est, elle a fait un zikr. La fille de Fir'aoun, elle a dit Allah quoi? Mon père? Elle a dit non, pas ton père. Mais mon Seigneur et ton Seigneur est le Seigneur de ton père. Elle a dit, je vais le dire à mon père ce que tu as dit. Elle a dit, va le dire à ton père. Donc, elle a assumé sa croyance. Et de là, Fir'aoun l'a attrapé également. Et il a menacé d'abandonner sa religion. Elle a refusé. Qu'est-ce qu'il a fait, Fir'aoun? Il a ramené un veau en cuivre qu'il a, sur lequel il a mis un feu ardent. Et lui a dit, je vais brûler tes enfants l'un après l'autre, sous tes yeux, pour cela. Elle lui a dit, je te demande une chose seulement. Une chose. Elle n'a pas dit, non, s'il te plaît, c'est l'islamophobie, tu es injuste. Non, elle a assumé. Elle a dit, s'il te plaît, une chose. Qu'il lui rassemble toutes ses cendres et leurs ossements ensemble. Finalement, elle a dit, je te l'accorde. Qu'est-ce qu'il a fait après sous ses yeux? Il a pris son premier enfant, il l'a brûlé. Deuxième, il l'a brûlé. Troisième, il l'a brûlé. Après, il ne reste que elle et son enfant qui était à allaiter, un bébé. Et le bébé, là, il a parlé. Il a dit, ya ummati, isbiri fainaki al haq. Il a dit, oh ma mère, patiente, car tu as fait la vérité. Et de là, elle a subi comme les autres. Cependant, elle a eu droit à la shahada, au martyr. Subhanallah. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont extériorisé leur foi. Ils l'ont assumé, ils l'ont proclamé. Résultat, ils ont été torturés. Et tués même. Vous avez également, dans le Coran, Ashab al-Ukhdud, comme a dit Ta'ala, « وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Lorsque dans le sens Allah dit, par le ciel et les constellations et par le jour promis et par le témoin ceux dont on témoigne. Périssent, c'est le shahid, périssent ceux qui creusaient les fossés au feu plein de combustible. Cependant, ils étaient tous assis autour et témoins de ce qu'ils faisaient, des croyants.
dont ils ne se vengeaient que d'avoir cru en Allah. Dont ils ne se vengeaient que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. Cette histoire vient de d'où? Ashab al-Ukhdud, c'est dans l'histoire du Ghulam et du Sahir. Un long hadith rapporté par Muslim, du jeune sorcier, Afwan, du sorcier et du jeune garçon. L'histoire, c'est que c'est un jeune garçon, Afwan, qui devait être un apprenti sorcier. Et quand il allait vers le sorcier, sur son chemin, il y avait un moine qui lui faisait le rappel, qui lui parlait de religion. Et de là, l'enfant a cru en ce moine, concrètement. Et voilà que cet enfant a commencé à faire des miracles, à guérir les gens de maladies incurables, à rendre la vue à l'aveugle. Il était sous le règne d'un roi qui était un tyran, qui était un grand mécréant, comme Pharaon. Et ce roi avait un notable proche de lui qui était aveugle. Et cet aveugle a entendu parler de ce jeune garçon. Donc il l'a convoqué en disant, j'ai entendu que tu faisais des miracles, que tu rendais la vue, que tu donnais, tu rendais la santé. Il a dit, moi je ne fais rien, c'est Allah Azawajal qui fait cela. Si jamais tu crois en Allah Azawajal, j'invoque pour toi et Allah te rendra la vue. Et de là, cet homme a cru en Allah. L'enfant a invoqué, l'homme a retrouvé la vue. Puis cet homme est retourné auprès de ce roi. Et le roi a vu que cet homme a retrouvé la vue. Il a dit, mais qui t'a rendu la vue? Il a dit, mon Seigneur est ton Seigneur. Il lui a dit, as-tu un Seigneur autre que moi? Il lui a dit, oui. Et de là, l'homme a attrapé ce notable et l'a torturé jusqu'à ce que cet homme dénonce et informe de ce jeune homme. Et de là, le roi a invoqué le jeune homme. Car à la base, c'est le roi qui avait dépêché ce jeune homme pour qu'il apprenne auprès du sorcier. Il lui a dit, oh mon garçon, je vois que tu atteins un stade de sorcellerie qui est immense. Tu arrives à rendre la vue à l'aveugle, tu arrives à rendre la santé aux malades, ainsi de suite. Il a dit, moi je ne fais rien, c'est Allah seulement qui le fait. Et là, de là, l'homme, le roi, a torturé le jeune homme, à tel point que le jeune homme a fini par dénoncer le moine. Et de là, le roi a convoqué le moine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a torturé pour lui dire, abandonne ta religion, ou alors je te tuerai. Le moine n'a pas abandonné sa religion. Donc le roi l'a torturé et l'a coupé en deux. Puis il a attrapé son notable à qui il a rendu qui avait retrouvé la vue. Il lui a dit, abandonne ta religion ou je te tue. L'homme n'a pas abandonné sa religion, il a été tué également. Puis cet homme, ce roi a voulu tuer le roulem, le jeune homme. Chose qu'il n'a pas réussi à faire. Il a essayé à plusieurs reprises, il n'arrivait pas à le tuer. Et à un moment, ce roulem est revenu vers le roi. Il lui a dit, si jamais tu veux me tuer, fais ce que je te dis. Prends une arme, déjà réunis tout le monde. Tu réunis tout le monde. Prends une arc de mon carquois. Crucifie-moi sur un arbre. Puis tu dis, Bismillah ya Rabbi l'Ulam. Dis au nom d'Allah, Seigneur du jeune garçon. Puis lance une flèche et là tu me tueras. Donc de là, le roi a agi. Il a pris une flèche du carquois. Il a crucifié l'homme, le jeune garçon sur un tronc d'arbre. Il a réuni tout le monde, toute sa communauté, tous ses sujets. Et de là, il a dit, Bismillah ya Rabbi l'Ulam. Il a lancé la flèche, il l'a tué directement. Et de là, il s'est passé quoi? Les gens, ils ont cru. Car ils savaient que le roulem, le roi n'avait pas réussi à le tuer. Et cette fois-ci, il l'a tué, comment? En disant, Bismillah, Rabbil Ulam. Donc de là, il s'est passé que le roi a toujours redouté. Les gens ont cru en Allah Azzawajal et ont délaissé son adoration à lui. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a dit, faites des fossés pleins de feu et jetez les gens qui ne veulent pas apostasier. Naam. Donc c'est ça les Ashab al-Ukhdud dans le verset de cette sourate. Et de là, comme dans la conférence de Pharaon, il y avait une femme qui est venue avec un enfant, un bébé. Elle avait peur. C'est normal, elle a peur, elle voit un feu devant elle. C'est humain d'avoir peur. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu encore un miracle. Allah Azzawajal a fait que l'enfant, le nouveau-né, a parlé, il a dit « Ya ummata, innaki ala al-haq fasbiri ». Comme l'autre enfant de la coiffeuse, il a dit pareil « Oh ma mère, tu es sur la vérité, alors » patiente et endure. Et de là, elle s'est jetée dans le feu. Yallahu Akbar. Donc, qu'est-ce qui leur a été reproché? De croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Ce n'étaient pas des messagers, ce n'étaient pas des prophètes. Et également, vous avez les gens de la caverne, sur la telle Kahf, d'accord, qui ont fui leur peuple dans une caverne que Allah Azzawajal les a fait dormir pendant plus de 300 ans. Puis, à leur réveil, ils eurent faim et ils dirent d'aller chercher à manger, mais de faire attention pour ne pas attirer l'attention. Pourquoi? Innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim falan tuflihu idhan abada. Que si jamais ils vous trouvent, c'est-à-dire les gens de leur communauté, si jamais ils vous trouvent, car ils savent qu'ils sont sauvés. Et ils savent pourquoi ils sont sauvés. Il dit, ils vont soit vous lapider, ou soit ils vont faire retourner dans leur
religion, et à ce moment-là, vous ne réussirez jamais. Donc, ils savaient quoi? Que si jamais ils gardaient leur foi, c'était la peine de mort par lapidation. Ou alors, ils finiraient par flancher et retourner vers eux. Est-ce qu'ils étaient des prophètes et des messagers? Non. C'était un groupe de jeunes garçons, très jeunes, peut-être des adolescents, Allah Alam, avec leurs chiens. Et ils ont eu peur. D'accord? Ils ont eu très peur. Donc, combien d'exemples également de sévices qui ont été subis par ceux d'avant nous? Les Sahaba, notamment les Sahaba, vous connaissez leurs histoires et leurs épreuves. Notamment les premiers, les gens de Mecca qui ont été les premiers à embrasser l'islam tout en étant à Mecca. Ils devaient se cacher par peur de se faire torturer. La première shahida, martyr de l'islam, c'est Soumaya, Umm Ammar, subhanallah. Comment elle a été tuée par Abu Jahl? Il lui a planté une lance dans son vagin. Pourquoi? Pour la ilaha illallah. Bilal, radiallahu anhu, vous le connaissez Bilal, qui était encore un esclave à l'époque, qui était traîné dans le désert, sous le soleil ardent du désert, et qui a été écrasé par un rocher, et qui disait Ahad, Ahad, qui n'a pas voulu apostasier, lâcher la religion. Juste pourquoi? Pour leur iman, pour le tawhid. D'accord? Il y a eu un boycott fait par les Arabes autour de Mecca pour que les gens leur livrent Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Un boycott que nulle nourriture ne leur parvenait, qu'ils étaient interdits de mariage, interdits de commerce, interdits de parole, de salutation, et cela pendant au moins 3 ans. Regardez ce qu'ils ont subi, subhanallah. Et après, les gens vous disent islamophobie, ils se mettent à pleurnicher, à se lamenter. Est-ce que eux, ils ont agi de la sorte? Et on vous l'a dit, ces gens-là, c'était des Arabes purs, des gens de Quraysh. C'était leur pays. D'accord? Est-ce qu'ils se sont plaints? Non. Ils ont affronté, ils ont enduré. Quitte à mourir. Prêts à mourir pour cela. Et vous avez l'histoire de Abu Bakr, radiallahu anhu, qui également est arrivé à un stade qui était très dur à surmonter. Lui-même a voulu partir faire la hijra en Habasha, comme les autres sahabas qui étaient partis. Il a pris ses affaires et commencé à partir. Et de là, en route, il a rencontré un homme qui s'appelait Ibn al-Darin. Et cet homme qui était un chef parmi les tribus arabes, il lui a dit « Où tu vas, ya Abu Bakr ?» Il a dit « Je m'en vais, car mon peuple ne me laisse pas adorer Allah Azza wa Jal. » Il a dit « Un homme comme toi ne peut pas être expulsé de son peuple, c'est pas possible, tu as trop de vertus, trop de mérites, en citant toutes ces qualités. » Il a dit « Laisse-moi leur parler, et tu verras que tu pourras, bismillah ta'ala, rester chez toi. » Il est parti leur parler. Il leur a dit « Un homme comme Abu Bakr, on ne peut pas laisser partir comme ça, on ne peut pas l'expulser. » Ils ont dit « Nous, s'il adore son Seigneur dans sa maison et à l'abri des regards, alors il peut rester, il n'y a pas de problème. Car nous craignons que par ces actes d'adoration, qu'il n'influe sur nos femmes et nos enfants. » C'était quoi la peur? De la da'wa. Par quoi? Par la ibada apparente. Donc de là, cet homme a dit à Abu Bakr, si tu restes chez toi, tu adores ton Seigneur librement, mais en étant isolé, en étant camouflé, alors il n'y a pas de problème. De là, Abu Bakr a accepté l'accord. Puis, il est retourné chez lui. Mais il a fait une forme de lieu d'adoration qui était devenu apparent. C'est-à-dire, dans la rue, on pouvait le voir. Et Abu Bakr, c'était un homme, lorsqu'il récitait le Coran, il pleurait. Il savait se retenir, contenir ses larmes. Il pleurait fort. Donc, quand il faisait salat, les gens le voyaient, les femmes passées le voyaient, les enfants le regardaient, le voyaient. Ils étaient subjugués par lui. Et de là, ça a amené à ce que l'accord qui a été conclu, bah, il l'a enfreint, en fait. Mais pas volontairement, car il ne pouvait pas s'en empêcher. Et de là, l'homme lui a dit, il y a Abu Bakr, on s'est mis d'accord que tu ne veux pas te montrer dans ton adoration. Si jamais tu continues, alors au moins libère-moi de mon pacte, qu'on ne dise pas que j'ai enfreint mon pacte, car les Arabes, ils avaient une parole. Ils n'aimaient pas que leur parole soit dérespectée. Il a dit, je te libère de ton engagement envers moi, et laisse-moi adorer Allah librement. Voilà. Donc de quoi ils avaient peur les Quraysh? Qu'on le voit faire salat, qu'on le voit pleurer, qu'on entend le Coran. Est-ce qu'Abu Bakr est parti se plaindre, islamophobie, je ne sais quoi? Non. Il a assumé jusqu'au bout. Et Allah Azza wa Jalla a fini par le gratifier de pouvoir partir en hijra en compagnie intime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, les sahaba, par la suite, même à Al-Medina, devant l'hostilité des koufars, eh ben, ils voyaient leur foi se raffermir. وَلَمَّا رَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Lorsque les mu'minoun, ils ont vu les ahzab, les coalisés, c'est-à-dire que tout le monde s'est réuni contre eux, les mouchrikoun,
les Yahoud, tout le monde s'est réuni contre eux pour les attaquer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà ce que Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Donc ça veut dire quoi? On s'y attendait en fait, et c'est normal que ça nous arrive. Et ben cela n'a fait que croître leur foi et leur soumission. Nous aujourd'hui, on voit ça, on pleure, on sauve, on se plaint. Eux, ça fait monter la foi. Car ils savaient que c'était une chose qui était inévitable. Et d'ailleurs, dans le Tafsir al-Barawi, il a dit Wa'adallahu iyyahum, ada wa'adallahu afwan iyyahum min zikr aw ma zukira fi surat al-Baqara. Am hasibtum an tadkhulu al-janna wa lamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa wa ad-darra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul wa alladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Il a dit, il s'agit là de la promesse d'Allah. Cette promesse, elle est où? En soit al-Baqara. Dans le sens où Allah dit, pensez-vous que vous allez rentrer au paradis alors que vous n'avez pas encore été atteint parce qu'il y a touché ceux d'avant vous? Hein? Ils ont été touchés par la terre a tombé sur leurs pieds dans le sens tellement les épreuves étaient difficiles. La fatigue, les reintes, l'épreuve, tout. À tel point que le messager et ceux qui ont cru avec lui ont dit, mais quand viendra le secours d'Allah? Quand? Et n'est-ce pas que le secours d'Allah est proche? C'est-à-dire que la promesse, elle est là. Mais il faut affronter. Il faut affronter. Vous voyez la différence qu'il y a entre ce que ces gens-là ont subi et comment ils ont enduré et ce que nous, on a subi. C'est incomparable. Aujourd'hui, faut savoir une chose, ces gens-là ont subi pour leur obéissance. Nous, on subit pour le contraire, pour notre désobéissance. Eux, on subit pour leur patience. Nous, on subit pour notre précipitation. Et l'a dit le Nabi Sallam, « Walakinakum tastarjiloun » Il l'a dit, vous vous précipitez. Vous vous précipitez. Il l'avait dit au Sahaba, lorsqu'il venait le voir pour demander qu'il invoque Allah Azawajal pour le secours à force de ce qu'il subissait des Quraysh. Il a dit que, avant vous, il leur a fait le rappel, avant vous, on prenait un homme, d'accord? On l'enterrait, on le mettait dans un trou dans le sol, on ramenait une scie, d'accord? Et des peignes de fer, on lui sciait la tête en deux et on le peignait à point qu'elle lui arrachait la peau, pour lui dire qu'il délaisse sa religion. Cela ne le faisait en rien reculer. En rien reculer. Subhanallah. Aujourd'hui, les gens en réalité se plaignent pourquoi? Que pour leur ventre, et leur shahawat, leur plaisir, leur confort, avoir de meilleurs salaires, avoir de meilleurs postes, avoir de meilleures études, de meilleures conditions de vie, sous couvert de défense de la religion. Donc ça se demandait s'il s'agit vraiment d'une épreuve pour la fermeté en religion, comme nos prédécesseurs, ou tout simplement un châtiment d'Allah et un avilissement à notre encontre pour notre accroche à cette dunya. Allah Azawajal a accordé la victoire aux précédents, gloire et suprématie. Leurs histoires restent légendaires, exemplaires. Mais nous, qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage? Des imams de la République, des muslims démocrates, le CFCM, le droit de vote, de manifester, des avocats pour défendre nos droits soi-disant et nous permettre de faire ce qui est légal, oui, aux yeux de la France, mais qui est haram aux yeux d'Allah Azawajal. Hein? Qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage? Des hijabeuses, le burkini dans les piscines et les plages publiques? Des mères qui sont couvertes d'un petit foulard pour pouvoir accompagner les enfants à l'école, à la sortie scolaire, pour aller voir des choses qui sont inutiles, de pouvoir, je sais pas moi, laisser des footballeurs derrière nous, des combattants de MMA, d'aller danser en boîte de nuit avec le voile, soi-disant, de pouvoir être dans des terrasses de café, au cinéma, au théâtre, que des loisirs, et dire laissez-nous tranquilles, on a le droit comme vous. En fait, c'est juste, hein, c'est quoi? Pouvoir être concerné par liberté, égalité, fraternité. C'est ça qu'ils veulent, les musulmans en France. Je parle pour la plupart d'entre eux. Ils veulent avoir droit à liberté, égalité, fraternité. Déjà, on le répète, à Wallen, ce slogan, « Shara'an, il est ba'atil miya bil miya », complètement faux, à 100%. En premier lieu, nous ne sommes pas libres. Le musulman n'est pas libre. « Qul inna nusuki » ou « Qul inna salati » dit que ma salat, que mes sacrifices, que ma vie et ma mort sont à Allah, le Seigneur des mondes.
ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. C'est ce qui m'a été ordonné. Je suis le premier des soumis. Également, l'égalité. Nous ne sommes pas égaux que les kuffars. كما قال تعالى أفنا جعلوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Allons mettre égal les musulmans comme les criminels, c'est-à-dire les kuffars. Qu'avez-vous? Comment est-ce que vous jugez? Et même entre musulmans, on n'est pas égaux. Est-ce que nous sommes frères avec eux? يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. Que seuls les croyants sont frères. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. Que le musulman est le frère du musulman. C'est tout. Donc, liberté, égalité, fraternité, jette-le à la poubelle. Il ne te sert à rien du tout. Tu n'y as pas droit. Et même s'il te l'accordait, en islam, tu n'y as pas droit. Et franchement, même les koufars, eux-mêmes, n'y ont pas droit entre eux. De toute façon, ils savent très bien, c'est une utopie et c'est qu'une hypocrisie. Donc ça, c'est une chose, voilà. Donc le croyant, il a un message de son Seigneur à faire passer. Il a des règles à observer. Il a un honneur à préserver. Il a des limites à ne pas dépasser. Il ne fait pas tout ce qui lui plaît. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها عفوا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. Que Allah عز وجل a imposé des choses, alors ne les perdez pas. C'est-à-dire, il a rendu des choses obligatoires, ne les perdez pas. Il a mis des limites, des sentences, ne les enfreignez pas. Il a interdit des choses, ne les violez pas. Et il s'est tué sur des choses par miséricorde pour nous, et non pas par oubli, mais ne les cherchez pas. Les choses qui sont, il n'y a pas de texte quoi, ne pas aller faire preuve de roulou et poser trop de questions. Allah Azza wa Jalla a accordé aux croyants une izza, une grandeur. Il ne nous a pas autorisé de nous rabaisser pour des miettes de ce bas monde éphémère. Wallah, et de façon générale, écoutez bien, ceux qui luttent contre ce qu'ils nomment comme étant islamophobie, sont les premiers à enfreindre l'islam dans leur pratique de tous les jours. Et à rejeter beaucoup des préceptes de la vraie sunna. Donc, selon leur raisonnement, eux-mêmes sont islamophobes. Uqsim billah al-azim. Jure par Allah Azawajal que si demain, Allah Azawajal nous gratifie d'un État islamique, un vrai, hein, je parle avec un gouverneur ou quoi, d'accord, qui applique la charia à la lettre, ces gens-là sont les premiers à critiquer les gouverneurs et à sortir contre eux. Et à fuir chez les koufars sous couvert de liberté. De dire c'est trop dur, on nous impose des choses. Car leur vrai but, c'est de vivre comme les koufars. Il ne faut que mettre leur dîn au service de leur dunya, et non le contraire. C'est la dunya qui prédomine chez eux. C'est ça leur but. D'accord? Si la religion ça va, alors je la fais. Si ça va pas, on cherche une fatwa, on cherche une façon de trouver un terrain d'entente. Ces gens-là, tu les vois plus assidus et motivés dans ce qui touche à leur dunya que à leur religion. Plus ponctuels au travail ou à l'école que la salat en groupe. Demain, il y a un match de foot, un combat de MMA en direct ou autre événement sportif, ils sont à l'heure, pile poil. Faut pas la rater, attention. Hein. Mais cette vivacité et cet intérêt pour la salade du Fajr, par exemple, celle dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lo alamu ma fiha, la tawha wa lo habwa. Cette salade du Fajr, si on savait ce qu'il y avait comme récompense, on viendrait même en rampant. En rampant. Donc regarde bien ces gens qui parlent islamophobie, en disant, la plupart d'entre eux, au Fajr, ils sont où? Regarde où est-ce qu'ils sont. Et tu verras ces gens-là, plus respectueux des règlements du patron que des lois d'Allah Azzawajal. Plus soucieux de leur apparence face au regard des gens que celui d'Allah Azzawajal. Fahimtoum, je connais, cependant là, j'ai vu une fois, j'ai parlé avec un petit jeune qui me disait, enfin pas moi, j'étais présent quand il parlait, il disait, à mon travail, je me cache pour faire salat. Vous savez pourquoi? Il avait dit, non pas ce qui crée de se faire envoyer, pour pas qu'on dise que c'est un radical. Je dis, subhanallah. C'est-à-dire, tu te caches, tu te rabaisses, parce que Allah Azzawajal t'a élevé, de peur que les koufars disent que t'es un radical. Mais ils vont dire que t'es un radical, cherche pas, ils vont te le dire. Même demain, tu vas faire autre chose, ils vont te le dire que t'es un radical. En plus, regardez bien les termes employés. Dès que c'est l'islam, c'est radical. Par contre, quand on parle de judaïsme ou de christianisme, c'est orthodoxe. C'est les termes plus cool, comme on dit. Mais quand c'est nous, c'est radical. Fahimtoum? Tout ça pour faire quoi? Faire peur aux gens. T'effrayer et t'impressionner. Qu'Allah ma yujad hada indana. Regardez par exemple, yaqul Allah azza wa jal, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ô fils d'Adam, prenez votre parure dans chaque masjid, c'est-à-dire pour aller faire la salat, de bien s'habiller, de déjà couvrir la awra et s'habiller correctement, de façon légiférée.
Et pourtant, on voit la plupart d'entre nous comment on vient à la salat, habillé n'importe comment. C'est pas important. Alors, lorsque ça dépend au sport, alors là, tu as tout l'équipement. Tu as vraiment l'équipement entier de A à Z. Tu peux aller au travail, tu as la tenue de A à Z. Comme il faut bien repasser, tout propre. Mais quand c'est pour la religion, là, c'est. On revient à. La religion, c'est facile. Elle dit yusr. Subhanallah. Et souvent, ces gens-là utilisent le fameux verset, la ikraha fid din. Nul contrainte en religion. On dit nul contrainte en religion, en âme. Mais ce n'est pas dans le sens où vous l'employez. Par contre, toi, tu es musulman, c'est-à-dire tu es soumis. Donc toi, tu es contraint d'obéir à Allah Azawajal. Si, justement. Et cela, dans la mesure du possible. Et ce possible, ce n'est pas toi qui le décrète, mais c'est la religion. T'as des awam, des gens du commun, ils appellent le musulman lambda, comme ils disent. Lorsque tu les appelles à appliquer la sunna, toujours ils rétorquent, la religion c'est la facilité. On dit, bah, justement, par exemple, un qui se rase ou qui se taille la barbe, on dit c'est quoi qui est plus facile? Que la barbe elle pousse ou la raser la tailler tous les jours? Bilal alek. Les femmes, par exemple, qui se couvrent mal, ou qui se maquillent ou qui se coiffent ou je ne sais quoi, on dit c'est quoi le plus facile? Mettre un hijab correct qui te couvre ou chaque jour ou toutes les semaines ou je ne sais quand aller te coiffer tous les jours, te maquiller devant ton miroir tous les jours. C'est quoi le plus facile? C'est quoi? Faut pas se voiler la face, hein, faut pas se mentir, c'est une réalité à laquelle trop sont confrontés. Et justement, sachez une chose, c'est cette concession qui répondrait à une choubouette qu'on pourrait entendre. Tu vois, ils vont dire, mais les koufars aujourd'hui ne torturent pas comme le faisaient ceux d'avant, comme l'ont fait Quraysh, comme l'a fait Pharaon, comme l'ont fait un tel ou un tel ou un tel. Et on va dire, vous savez pourquoi ils le font pas? Parce qu'on a fait des concessions, justement. Tellement de concessions que les koufars, également, ont fait des concessions. Comme Akhwala Ta'ala, « Waddu l'autu dehinu »« Fayu dehinun » Ils aimeraient que, vous concédiez, que tu concèdes, alors ils concéderaient également. Donc si toi tu délaisses un peu, ils vont délaisser également un petit peu. Comme Akhwala Ta'ala, « Walan tardo anka al-yahoud »« Walan nasara hatta tattabi'a millatahum » Et sache que les Juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi, vous connaissez le verset, tant que tu ne suivras pas leur religion. Donc, ces gens ont obtenu une partie d'agrément des koufars, car ils ont suivi une partie de leur religion. Même si c'est partiellement. Et cette religion, c'est leur mode de vie. Sans quoi, s'ils avaient gardé une éthique, une pratique pure de l'islam, jamais ils n'auraient eu autant de clémence de leur part. Jamais. Montrer le vrai islam, ils montreront le vrai koufr. Bien que certains le font, il y a des koufars, ils le font. Mais c'est quoi qui les freine? C'est que ils n'ont pas le pouvoir vraiment en main. Mais dans des pays, ça ne gêne pas. Il y a des pays comme par exemple en Birmanie, à un moment, c'était la chasse aux musulmans. Ils les tuaient dans leur demeure, les brûlaient, les tuaient. En Chine, ce qu'ils ont fait aux Ouïghours, vous le savez. Dans plein de pays, il y a des choses que vous n'êtes pas au courant, que les musulmans subissent. D'accord? Parce que c'est pas médiatisé, ce n'est pas connu. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, avec la Palestine, vous croyez que c'est quoi? C'est ça. C'est ouvert. C'est harb did al-islam. C'est une guerre contre l'islam. Ils ne se cachent même plus. Et le blâme que les koufars font, ils le font que par gêne devant vous, c'est tout. Mais en fond, ils alimentent cela. Si demain ils voulaient arrêter cette guerre, ils pouvaient l'arrêter. Si demain un pays d'islam ferait subir ça des chrétiens, le lendemain c'est la guerre mondiale. Vous verrez directement l'Amérique, elle débarque. La France, elle débarque. Les pays de kouf, ils débarquent direct. Tout de suite. Inacceptable. Mais quand c'est la Palestine, non, on discute un cessez-le-feu, il faut voir ceci, il faut voir cela, le Hamas, même si on reproche ou on reproche, c'est pas le Hamas la guerre là, c'est la guerre contre l'islam en réalité. Le Hamas, ils ont leur tort, ils ont provoqué, mais de base, les Yahouds ne nous aiment pas, et à la moindre occasion, ils tenteront de faire ce qu'ils ont à faire. Là, c'est, on va dire, ils ont, le Hamas a donné le bâton pour s'attraper. C'est ça qui se passe. Mais le coup à porter, sachez bien que ça fait longtemps qu'ils veulent le porter. Et ils le porteront encore par la suite. Et également, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des accords diplomatiques, c'est-à-dire il y a des intérêts entre les pays, donc ils peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. D'accord? Parce que même demain, si les musulmans, vu le nombre qu'on est, et croyez-moi bien, on est nombreux, quantité, mais pas qualité. C'est quantité, mais c'est pas qualité. D'accord? Mais notre grand nombre, également, a un certain poids quand même dans le monde. Il y a des choses dont ils ont besoin. Des rapports et des accords dont ils ont besoin. Donc, ils ne peuvent se permettre de faire non plus n'importe quoi. Mais ce n'est pas l'envie qui leur manque, croyez-moi bien. Ce n'est pas l'envie qui leur manque. « Wa in kadu liftinunka 'an allazi awhayna ilayk litaftali 'alayna ghayra idhan attakhadhuka khalila »
Il dit, ils ont failli te détourner de ce dont nous t'avons révélé, dans l'espoir, c'est-à-dire qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et que tu l'imputes à nous, et alors ils t'auraient pris en ami intime. Donc regardez bien. En fait, ils nous tentent pour qu'on penche vers eux, c'est-à-dire de la révélation, qu'on délaisse de la révélation pour prendre de leur parole à eux. Et si jamais on agissait de la sorte, qu'est-ce qui se passerait? Ils nous prendraient comme alliés, comme rapprochés. Donc, c'est ce qui se passe en gros. Et d'ailleurs, ça répond encore à ce que j'avais dit au sujet du dénommé Vincent Souleyman, qui prétend à une amitié que cela est possible avec un kafir, mais cela n'est possible que quand? Du fait que tu as penché vers eux, c'est-à-dire que tu as concédé en religion, comme par exemple lui le dit, le fait de s'asseoir à leur table pour Noël, un exemple. Et il y en a plein des boutades comme celle-ci. Donc quand tu fais cela, bah oui, ils sont contents. Mais demain, tu vas dire à tes parents ou aux gens, Noël, je fête pas. Bah tu verras le visage qu'ils vont te faire. Jour de l'an, je fête pas. Tu verras le visage qu'ils vont te faire. Mais si demain tu t'assois avec eux et tu rigoles, bah oui, ils vont rigoler avec toi. Eh ben ça, à plus grande échelle, c'est pareil. Quand tu concèdes, ils concèdent. Tu leur montres ce qu'ils veulent voir, ils vont pas te torturer. Mais ça va être quand même hypocrite de ta part et de la leur, à double sens. C'est pour ça que des fois, tu vas entendre des koufars prendre parti pour la cause des musulmans. Mais c'est pourquoi, soit pour un intérêt qu'ils ont derrière, c'est-à-dire une récupération politique, comme on l'a vu par exemple avec la France Insoumise ou tout ce qui s'ensuit, car en réalité, ces gens-là, comme Mélenchon, les paroles sur le hijab, vous le connaissez. Ah, si vous le connaissez pas, je vous conseille d'aller les écouter, vous allez voir à qui vous avez affaire. Des paroles que même Macron n'a pas prononcées. Voilà, Harlem. Donc, soit ils font cela pour une récupération politique, ou alors, cela ne concerne que les musulmans qui se disent modérés. C'est-à-dire, qui se fondent dans la masse et montrent un désir d'intégration et d'approbation à leur système. Mais dès qu'il s'agit des gens de la sunna, des salafis, à la sunna apparente, islam apparent, qui sont lésés pour moindre raison, voilà, il n'y a personne qui va vous aider. Peut-être même vont dire, bien fait pour vous. Vous n'avez qu'à vous intégrer. Pourquoi? Car si, allez, on dit qu'il y en a un qui aimerait t'aider, au fond de lui, par, on va dire sentiment humain, parce que vraiment, il dénonce l'injustice, t'as des koufars, vraiment, l'injustice, ça leur insupporte, eh ben, il ne pourra pas le faire. Parce qu'il se dit, mais je veux l'aider, on va dire que je soutiens l'islamisme. Donc, par peur pour sa réputation, son image, il ne va pas le faire. D'accord? Et quand même, un le ferait, ou deux le ferait, ça reste Mimbab al-Nadir, c'est le rare. Et en islam, al-Nadir, la hukm al-Allah. Que ce qui est rare n'a pas de jugement en islam, donc c'est pas pris en compte. Va pas prendre le cas de milliards de koufars qui te détestent pour dire qu'ils vont t'aider et dire ouais, si j'en ai, ça existe même pas, ces 10-là, c'est incomparable. D'accord? C'est même pas pris en considération, ça. Même s'il y en a un, c'est pas pour autant qu'on va commencer à diverger entre nous et polémiquer. On dit de base, les koufars, comme le Coran l'a dit, ne t'aiment pas. Donc, cet amour qu'ils n'ont pas pour toi, c'est de l'islamophobie. Ils n'aiment pas ta religion. Pourquoi ils ne t'aiment pas? C'est pas parce que tu t'appelles un tel ou un tel parce que tu es gros ou petit ou ceci ou cela. C'est pour ton dîn qui ne t'aime pas. Donc, ça s'appelle comment ça? Même s'il ne te fait pas la guerre, même s'il ne te laisse pas, il ne t'aime pas parce que tu es un musulman. Donc, c'est pour ta religion. Donc, ça rentre dans la définition de islamophobie. Après, certains sont pires que l'autre. C'est vrai. Certains sont pires que l'autre, c'est vrai. Et croyez bien, moi, que même un kafir demain qui te parle gentiment, voilà que c'est un hypocrite. En réalité, ce qu'il y a au fond de lui, c'est pire encore que ce qu'il a te montré. Et ça, je vous le dis, ce sentiment, par exemple que des sœurs habillées en djilbab, correct, chadri, se font insulter dans la rue, il n'y a que elles qui savent qu'elles ressentent à ce moment-là. Ce n'est pas les sœurs avec le hijab fashion et maquillées à la filtre Instagram et TikTok qui savent ce que ça veut dire ça. Et même elles, des fois, se font insulter. Une sœur qui est bien habillée comme il se doit, elle sait ce qu'elle ressent. Et elle sait les regards qu'elle subit. Ou son époux également, il sait. Un frère qui porte la sunna, il sait ce qu'il entend. Il sait ce qu'il voit. Que d'autres ne verront pas. Il y en a qui disent, tu vois le mal partout. Je suis parce que moi, je me montre tel qu'il est. Toi, le moi, tu ne le vois pas parce que tu te caches. Moi, je ne me cache pas. Donc le mal, je le vois, ouais, en effet. Et le mal, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Le mal, il est là. Et vous savez c'est quoi ça? Beaucoup de ceux qui écoutent, qui sont sur le haq, ils savent de quoi on parle. Ce qu'ils subissent. Donc, dis-leur le haq et tu verras qui ils sont. Le kafir n'attend de toi que tu ne deviennes comme lui. Sans quoi, il ne t'aime pas.
وَدُّوا لَتَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَا. Ils aimeraient que vous mécroyez comme ils ont mécru, alors vous serez égaux. يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. Oh, les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-mêmes. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes. Afin que vous puissiez raisonner. Oh, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Vous, c'est-à-dire les musulmans, vous les aimez alors que eux ne vous aiment pas. Vous avez la foi dans le livre tout entier et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent nous croyons. Là, ça parle des hypocrites. Mais une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dit, mourrez de votre rage. C'est ça qu'il faut leur dire. Moutoubiré, c'est quoi? Ça sert à rien d'insulter ou d'être violent, quoi. Dit, meurs de ta rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. In tamsaskum hasalatun, tasukum, wa intusibukum sayyatun yafrahu biha, wa intasbiru wa tattaku, la yadurukum kaiduhum shay'a. Inna Allah, bima ya'maluna muhit. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Ils n'aiment pas ça. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Regardez bien, c'est quoi la solution? C'est d'être endurant et d'être craintif. C'est pas manifester. C'est pas aller voter. C'est pas aller faire je ne sais quelle action, mobilisation, qui soit pas légiférée. Non. C'est être endurant et pieux. Donc on dit, oui, l'amour envers eux est bien présent dans les cœurs de beaucoup de cette Ummah. Et cela apparaît clairement à travers nos actes, nos réflexions et idéologies, en totale similitude avec les leurs et en totale contradiction avec celle de l'islam originel. Et c'est là la différence qu'il y a entre ceux d'avant nous, d'accord ? Car comme on l'a dit tout à l'heure, eux ont été éprouvés durement, pourquoi ? Pour leur intégrité et accroche à leur dîne, alors que nous, c'est une humiliation et un avilissement. Eux ont été menacés durement de ce qui est insoutenable pour lâcher leur dîne. Aujourd'hui, plus besoin de menaces. Hein. Juste une promesse de droit de citoyenneté. Voilà, c'est tout. Ou une carte de séjour. Ou naturalise. Ou t'as droit aux études. Ou de pouvoir pratiquer un sport et j'en passe. Plus besoin de te menacer pour vendre ton dîne. Hein. Ça va très très vite. Très facile. Les koufars, je parle quand on est dans leur pays. Hein. Parce que quand vous voyez ce qu'ils font dans les pays d'islam, le mal... Tu crois qu'ils vont faire quoi alors que tu es dans leur pays, à leur merci sous leur loi? Ils vont faire quoi d'après toi? Les koufars sur les musulmans dans leur pays, ils n'ont pas besoin d'armes. Juste, ils remuent un petit billet devant notre nez et on marche au pas. C'est tout. Un petit billet, on le remue. La CAF, le RSA, je ne sais quoi comme aide. Voilà, on marche au pas, nous. Puis le jour où il faut apparaître leur vrai ressenti, par des simples actes discriminatoires d'intégration à leur système, on crie « islamophobie, c'est injuste, c'est une injustice, la Rabbi ». Wallah, la première injustice, c'est la nôtre envers nous-mêmes, en trahissant notre dîne. Quant à eux, mais ils sont pas injustes en fait, ils sont fidèles à leur nature de koufar, le kafir c'est ça à la base. Un kafir de base, c'est ça qu'il est. Tu comprends? Donc lui, il est lui-même. Donc toi, reste toi-même, reste musulman, ya akhi. Reste musulman, ya urti. Avec la tête haute. Donc, comme on le dit, eux restent fidèles à eux-mêmes. Ils ne t'ont jamais aimé. Ils ne t'aiment pas et ne t'aimeront jamais. Tant que tu ne seras pas des leurs. Complètement. Tu veux leur amour? C'est soit ils sont venus des nôtres, donc là on s'aime, ou soit tu es devenu des leurs. Là ils t'aiment. Donc, ils ne nous aiment pas, mais kazadik, on ne les aime pas. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباؤهم أو أبناؤهم. Tu
Tu ne verras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier avoir de l'affection, de l'amour, de l'alliance ou autre envers ceux qui sont opposés à Allah, à Allah et à son messager. Qu'ils soient leur père ou leur fils ou leur proche, leur tribu. Tout cela. Par contre, on a déjà expliqué, l'amour naturel, il existe, mais celui-ci est spécifique aux proches et c'est un amour qui est naturel pour ce qu'ils ont porté comme bien et pour leur proximité. C'est tout. Et en réalité, dans le cœur, c'est quoi? C'est animosité envers eux. Pourquoi? Pour le fait qu'ils ne croient pas en Allah, ni en son messager, ni au Coran, ni en l'islam et tout ce qui s'ensuit. On dira, si nous, parce que c'est quoi que les gens ils veulent? Ils veulent la izza, ils veulent la gloire. Donc si on veut la izza, faut arrêter dans les lamentations inutiles et la victimisation. Cette izza, on ne la trouvera jamais auprès d'eux. Ce ne sont que les munafiqoun qui suivent cette voie. Comme encore l'État Allah, yabtaruna indahum al-izza, fa'in al-izzata lillah al-jami'a, qui recherchent, c'est-à-dire les munafiqoun, recherchent en fait la izza auprès des kuffars. Alors que la izza n'est qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il a dit Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, kunna kouman fi zilla, فعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. Il a dit Omar, nous sommes un peuple, nous étions dans l'avilissement, c'est-à-dire dans la jahiliya, et que Allah Azza wa Jal nous a élevés, nous a glorifiés. Par quoi? Par l'islam. Si on cherche cette glorification, cette élévation pour autre que l'islam, Allah va nous avilir à nouveau. Allah va nous avilir à nouveau. Et c'est ce qu'on subit là, actuellement là, de façon générale. Donc le constat du changement opéré chez nous, en cette époque, d'accord, il est en notre défaveur. Après les jours de gloire connus par les muslims des premières époques, et par la suite, nous, c'est la défaite. Mais pour quelle raison? ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ce n'est qu'en effet que Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple juste à ce que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Donc, ce bienfait, pourquoi on l'a perdu? Parce qu'on a changé. Et en quoi on a changé? On s'est affaibli. Pourquoi? Pour la dunya. Car on veut la dunya telle qu'elle a été donnée au kuffar. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Anna al-dunya jannat al-kafir wa sijn al-mu'min » Alors que la dunya, à la base, c'est le jannah du kafir et c'est la prison pour nous. Donc nous, on se bat pour rester en prison, pour obtenir la prison. Subhanallah. Et on va rappeler à ceux qui sont lassés, justement, de patienter, lassés d'endurer, lassés de la sunna d'Allah Azza wa Jal, qui sont mécontents de la vérité et qui veulent un nouveau souffle, un renouveau en religion, on leur dit « فَلِيَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ » فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens? Et là-bas, ce verset est sorti pour les koufars, c'est-à-dire par rapport au châtiment qu'ils ont reçu, que même les koufars aujourd'hui recevront encore un châtiment. Mais on peut également prendre ce verset-là dans le sens où cela est valable dans le bien, que la sunna d'Allah Azzawajal ne change pas également ce que les anciens ont eu comme bienfait, que ceux d'après l'auront également. Donc il a dit dans le sens Allah, or jamais tu ne trouveras de changement dans la sunna d'Allah Azzawajal. Et jamais tu ne trouveras de déviation dans la sunna d'Allah Azzawajal. Donc ceux qui vont comprendre, فَحَيَّهُمُ اللَّهُ وَمُوَفَّقُونَ وَقَلِلُمْ مَهُمْ. Ils sont très peu ceux-là. Quant aux autres qui s'obstinent et refusent la vraie réforme, ceux-là ne se nuisent qu'à eux-mêmes et finiront par être remplacés. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ô les croyants, quiconque parmi vous s'en revient de sa religion, de la délaisse ou apostasie ou autre, alors Allah va faire venir un peuple qu'il aime et que eux aussi aiment. Ils aiment, c'est-à-dire, ils aiment Allah. Ils sont modestes envers les croyants. Et fiers et puissants envers les koufars. Fiers et puissants envers les koufars. Pas des pleurnicheurs à la,
victimisation de l'islamophobie et qui lutte dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Ils n'ont pas peur des critiques. Ils n'ont pas peur, ils affrontent, ils font face. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut et Allah est immense et omniscient. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tazal ta'ifa min ummati zahirin ala al-haq zahirin la yadurruhum man khazalahum wa farakahum hatta yatiya amrullah aw qala hatta taqum as-sa'ah. Que il y a un groupe de ma communauté qui seront toujours apparents et qui combattront, lutteront sur la vérité. Et que ne seront en rien lésés par ceux qui vont les abandonner. C'est-à-dire ceux de leur communauté qui vont les abandonner, ça va nuire en rien. Ça va nuire en rien. Et ceux qui seront séparés d'eux, ça nuira en rien, même s'ils sont plus nombreux encore. Jusqu'à ce que vienne le décret d'Allah Azzawajal, ou que ne vienne l'heure. Et le Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alayhi, que l'Islam domine, il ne sera pas dominé. Nous, en tant que créatures, on peut être dominé, mais l'Islam ne sera jamais dominé. Subhanallah. Donc, on se rappelle, notre combat, ce n'est pas contre l'islamophobie. Non. Notre mobilisation, ce n'est pas contre, c'est pas pour l'islamophobie en soi. Non. Ce n'est pas ça le combat d'islam. D'accord? Ce n'est pas le but que les koufars nous aiment et nous traitent équitablement. Ce n'est pas ça que l'islam demande. Notre combat, c'est d'appeler au tawhid. En vue que cela soit, que l'islam finisse par dominer. C'est ça le combat. Et ça, c'est à titre communautaire. Si on en a les moyens, avec les gouverneurs, avec les moyens, avec tout ce qu'il faut. Mais si on n'a pas cela, c'est quoi notre combat alors? C'est la réforme individuelle. Et l'obéissance à Allah Azzawajal. Quitte à subir des discriminations. Et la nasiha. Et ordonner le convenable. Et interdire le blâmable. D'accord? Protéger nos propres personnes. Protéger nos familles. Et ainsi de suite. C'est ça le combat. Mais cela, cela ne sera pas sans épreuve. D'accord? Il y aura, obligé, il y aura des épreuves. Donc on va dire, pour finir, tout cela, on peut le résumer en réalité avec un verset par lequel on conclura. Ce verset nous avertit, nous prévient de ce qui va arriver. Ce verset donne la cause de prévention et de réussite. Quel est-il? Qul Allah Azza wa Jal, la tabluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des mouchriquins beaucoup de propos désagréables. Beaucoup de propos désagréable. Taïeb, donc là c'est l'information. Allah nous prévient. Mais si vous êtes endurant et pieux, donc maintenant c'est quoi? La cause. La cause à suivre, c'est l'endurance, la patience, la piété, la crainte. Voilà la meilleure solution. C'est la solution, c'est l'outil. C'est la meilleure résolution qui est apprendre. Donc c'est-à-dire que par la suite, tu auras quoi? La réussite. Donc on se méprenne, faut pas se méprendre sur ce que je dis. Je ne dis pas que le muslim n'est pas en train de se défendre parce qu'il est lésé. S'il peut se défendre, même avec les lois des koufars qui ne vont pas en infraction avec celles de l'islam, tu as le droit. D'accord? Tu as le droit. Mais ce n'est pas ton combat initial. D'accord? Ce n'est pas ton combat initial. C'est un droit que tu as de défendre, mais l'islam n'est pas venu pour cela en soi. Donc ce n'est pas à l'islamophobie qu'il faut crier. Mais ce qu'il faut, c'est appeler au tawhid. Et combattre le shirk. Et combattre les bid'ahs. Et combattre le mal sous toutes ses formes. L'islamophobie en soi, c'est quoi? C'est que les gens n'aiment pas l'islam. Donc c'est le kufr. C'est le kufr. On a dit donc il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Hadha ou fakat. Donc c'était un rappel pour moi et pour vous-même. Je ne sais pas comment a été le son pour vous par la suite. Moi, devant moi, le micro, il a continué, il n'y a pas eu de coupure. S'il y a une coupure, quoi qu'il en soit, alhamdoulilah, l'audio sera diffusé très prochainement pour ceux qui veulent le réécouter et sera partagé. Fadlallahu ta'ala. Fanaktafi bidal qadr, fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.